Allez, il est temps maintenant de demander à Michel Néret de répondre à notre interrogatoire. On va interroger un commissaire. Alors c'est vrai que le livre commence par votre enfance, enfant de mineur, il faut le rappeler, et enfant qui très vite a eu envie d'être flic. Oui, c'est vrai que j'avais un déterminisme social qui ne me prédisposait pas à la carrière de policier. Hein, dans mon pays, mineur, ouvrier, voilà, j'étais pratiquement prédestiné à continuer le travail de mon père, la mine. Et lorsque mon père, qui avait senti les choses, m'avait fait descendre plusieurs fois dans les mines, il a compris que j'avais compris aussi que c'était pas mon but dans la vie et que j'ai fait des études pour me sortir de cette condition-là. Quoi. Vous avez fait des études pour être commissaire même. Ce que vous y êtes, c'est commissaire. Oui, effectivement, j'ai fait des études pour être commissaire parce c'est que. C'est pas n'importe quel flic, c'est commissaire que voilà, vous voulez être. Absolument, ça fait. Une envie d'enfant qui était peut-être alimentée par la vision des films policiers, des romans policiers. J'avais envie de vivre une vie pas routinière, une vie avec des moments d'adrénaline, des moments d'émotion forte. Et je pensais que la police pouvait m'apporter cela. Et elle m'a apporté cela, en fait. Vous aviez d'ailleurs des idées bien arrêtées parce que vous vouliez être commissaire, mais en plus, vous saviez où vous vouliez être commissaire. Vous n'avez pas commencé par Lyon, mais vous aviez en tête d'être commissaire à Lyon. Pourquoi dans cette ville? Parce que c'est une ville où on avait entendu parler, moi, dans les années 60, 70, de l'assassinat du juge Renaud, du gang des Lyonnais. C'est une ville qui me fascinait par son banditisme qui, à l'époque, explosait au niveau national. Et j'avais voilà, cette vision de la ville de Lyon comme une ville où je pourrais peut-être... Il y avait d'ailleurs un film sur Juge Renaud avec Patrick Devers, absolument. Le shérif, le juge absolument. Fayard. Absolument. Quels films vous ont donné envie, par exemple, d'être commissaire? Celui-là, celui que vient de citer Yann Juge Mouac. Fayard, effectivement. C'est un film quand j'étais nommé à Lyon, qui m'a rappelé cette envie. Et je suis allé donc à la cour d'assises de Lyon, où dans la salle des pas perdus, vous avez une plaque commémorative sur l'assassinat du juge Renaud. Et dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des malfaiteurs qui avaient été désignés ou impliqués comme étant désignés les participants à l'assassinat du juge Renaud. Et avec mon équipe, nous avions interpellé une partie de ces gens-là en flagrant délit de vol à main armée. Lorsqu'on était passé à la cour d'assises, ces gens-là avaient été condamnés à 30 ans de prison avec une peine de sûreté de 22 ans. Et c'était une grande fierté pour moi, compte tenu de tout l'historique qui me rattachait à Lyon, d'avoir un peu apporté ma pierre à l'édifice de cette affaire-là. Quoi. Alors, c'est l'époque des braqueurs, c'est l'époque des gangs, des braquages de banques essentiellement, ou fourgons éventuellement. Oui. C'est pas tout à fait la même époque qu'aujourd'hui. Ça, vous l'expliquez bien tout au long du livre. Les temps ont changé. Il y a aujourd'hui quasiment plus de braquage de banque. Oui, le banditisme s'est reconverti. Moi, j'ai commencé à Lyon dans les années 83, jusque dans les années 95-2000. Lyon avait été, dans les grands titres de Libération, qualifié de capitale du braquage. Et effectivement, cette époque-là, c'était une époque bénie pour nous, services de police, parce que les équipes de braqueurs étaient nombreuses et nous avions beaucoup d'informations qui nous avaient permis de les prendre en compte et de les arrêter dans des opérations de flagrant délit, qui sont des opérations qui, pour un policier, sont les opérations les plus fortes, celles qui vous amènent l'émotion la plus vibrante. Quoi. Et c'est ces affaires-là qui m'ont donné vraiment la certitude que... Le métier pour lequel j'étais fait, c'était celui-là. Vous écrivez, hein, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de braquage de banque, les succursales n'ont plus d'argent liquide et les systèmes de sécurité bancaire sont devenus très performants. Il reste les distributeurs automatiques de billets, les DAB, comme on les appelle. Ce ne sont pas des prises négligeables. Un DAB contient entre... Vous donnez un peu quand même des mauvais conseils. Un DAB contient entre 100 000 et 150 000 euros. Pour enfin, c'est une information qui est répandue dans le public. Hein. Oui, d'accord. Enfin, les braqueurs ne peuvent plus arracher les distributeurs comme ils avaient commencé à le faire, car ces appareils, aujourd'hui, sont équipés d'un dispositif automatique qui inonde les billets d'encre. Les convoyeurs de fonds qui viennent recharger le DAB se font, eux, encore quelquefois braquer. Cela reste extrêmement risqué parce qu'il y a des systèmes d'alarme partout. Aujourd'hui, au fond, pour un gang, pour des voyous, pour se faire de l'argent, c'est la drogue. C'est la drogue, c'est l'escroquerie, et c'est, oui, c'est la drogue. Et ça ne vous intéressait pas, le monde des, a priori, le monde de la drogue et le monde des stupéfiants? C'est-à-dire que, dans un premier temps, on est face à une situation du banditisme très violent sur Lyon. Et c'est cette situation-là qu'on nous demandait de prendre en compte. La drogue,
il y avait des services aussi spécialisés qui travaillaient sur le sujet. Et nous, BRI, Brian Antigang, on n'avait pas forcément l'option ou l'optique trafic de stupéfiants dans notre démarche policière. Cette démarche policière, elle est intervenue dans les années 90-95 parce qu'on s'est rendu compte très vite que tous les braqueurs que nous avions arrêtés s'étaient reconvertis dans la drogue, et à Lyon en particulier, parce que beaucoup de malfaiteurs lyonnais en cavale s'étaient installés dans le sud de l'Espagne et pouvaient alimenter de manière conséquente la région lyonnaise en quantité importante de produits stupéfiants. Donc pour nous, le banditisme s'est reconverti totalement dans les années 95 vers le trafic de stupéfiants, là où on a ensuite fait preuve de beaucoup de réussite dans ce domaine. À ce propos d'ailleurs, à propos de la drogue, vous donnez un argument assez intéressant, je dois dire, auquel je n'avais pas pensé, un argument contre la légalisation du cannabis en France, puisque certains y pensent parfois. Vous dites, si demain on légalise le haschich, tout le volet du banditisme qui se nourrit du trafic de la résine du cannabis va se reconvertir dans le trafic de cocaïne et d'héroïne. La conséquence de la légalisation sur le cannabis sera une arrivée massive de drogues dures sur le marché. Pour vous, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence mécanique, effectivement. Et c'est une évidence parce que, pour en avoir parlé à un certain nombre de malfaiteurs sur ce sujet, bien au fait de ces questions-là, c'est l'évidence même. Ces gens-là vivent aujourd'hui du trafic de résine de cannabis. Si demain, vous légalisez la résine de cannabis... Je crois qu'ils vivent d'autres choses. Et encore, quand je dis vous la légalisez, vous allez légaliser, quoi, c'est-à-dire une petite détention de quelques grammes par personne. Ce qui est quasiment le cas aujourd'hui. Il n'y a pratiquement plus de poursuites judiciaires pour un individu qui est trouvé en possession de... Si, elle fils Pécresse la semaine oui, dernière. Voilà. Elle n'a pas de bol, quand même. Vous savez, quand la politique entre prétoire, la justice en sort. Hein. C'est oui. Une expression qu'on m'a inculquée et que je prends pour mienne. Alors, un mot sur les indices, et après je donne la parole à Yann et à Vanessa, parce que c'est quand même une partie intéressante du livre. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Moi, j'avais même oublié, je le savais, mais j'avais oublié qu'au fond, il y a des moyens légaux de rémunérer un indique, quelqu'un qui va balancer des potes voyous. Sauf que ce n'est pas suffisant. L'argent qu'on leur donne n'est pas suffisant et vous, bah, vous les rémunériez un peu plus que ce que la loi le permettait. J'ai bien compris ? Alors, oui, mais certains. Ah, pas certains tous. Mistigri, par exemple. Certains informateurs. Mistigri, parce qu'il m'a bien amusé, Mistigri. Oui. Oui, certains informateurs. Son vrai nom, Mistigri ? Non, évidemment non. Vous avez changé tous les noms ici, là-dedans ? Pratiquement tous. Oui. Pourquoi ? Parce que il y a un nom que je n'ai pas changé, c'est une personne qui a été impliquée dans mon affaire, dont le statut d'informateur a été rendu public, a été déballé sur la place publique, et cette personne est morte dans des conditions qui laissent penser qu'elle est morte parce qu'il a mis fin à ses jours, tout simplement parce que son nom avait été étalé sur la place publique et que les malfaiteurs qui le connaissaient savaient très bien qu'il était certainement à l'origine de leurs ennuis judiciaires, et lui savait très bien que ces malfaiteurs-là, en sortant de prison, viendraient le trouver. Quoi. Un indique, c'est quelqu'un qu'on relâche plutôt que prévu pour qu'il aille vous informer, pas toujours. Alors, le policier, il relâche personne. Non, mais enfin, il aide à ce qu'on relâche. Oui, un indicateur, c'est le renseignement, c'est une chaîne. Et il y a trois maillons dans la chaîne. Il y a l'indicateur, il y a le policier, et il y a le magistrat. Parce que le policier, le discours qu'il va échanger avec l'informateur, c'est si t'arrives un problème, moi, je m'engage aller voir un magistrat pour que celui-ci te donne une situation bienveillante, mais je m'engage. Comment vous dites, il y a moyen de moyenner, c'est ça hein? Ouais, et, voilà. Mais moi, c'est un engagement que je prends vis-à-vis du voyou d'aller voir un magistrat. Mais je ne m'engage pas sur le résultat de ma démarche judiciaire. Le magistrat, évidemment, lui, il est libre complètement ou d'adhérer à mon discours ou de ne pas adhérer à mon discours. Et c'est pour ça qu'il était important de trouver dans la magistrature qui est impliqué dans ce phénomène de renseignement, des gens qui adhéraient aussi à notre vision des choses. Alors comment ils se font pas repérer les indics? J'ai bien compris, vous expliquez qu'au fond, parfois pour ne pas mouiller vos indics, vous n'interveniez, là pareil, pas forcément tout de suite, mais vous repériez une autre façon d'intervenir auprès d'un gang pour pas que ce gang puisse comprendre que le type qui est votre indique est celui qui les a balancés. Oui, une technique policière simple, c'est-à-dire que l'indicateur vous donne une information, vous allez travailler sur cette information, vous allez identifier un certain nombre de personnes autour de vos cibles, et on va faire partir le renseignement sur une personne que l'indicateur ne connaît pas, et qui va nous amener sur les cibles. Et les cibles, lorsqu'elles vont voir la procédure initiale, elles vont voir qu'elle est partie à partir d'un individu, mais que mon informateur ne connaît absolument pas. Donc je coupe un lien direct, dès le départ, avec mon informateur. Donc c'était une technique policière pour éviter que cet informateur soit ensuite détecté par... Alors combien ils étaient payés, vos indics ?
n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Encore une fois, vous me donnez plusieurs parce que j'ai anecdotes. Quelques informations. Ça peut... Ouais, mais je vais vous donner des anecdotes pour vous dire qu'il n'y a pas de règle. Moi, un informateur qui va nous amener un réseau qui nous permet de saisir des quantités importantes de résine de cannabis, une tonne et demie, ce qui était le cas dans les années 2000-2011 quand j'ai eu mes soucis. Et lorsque l'informateur investit de son argent pour avoir du réseau, le renseignement sur le départ d'Espagne ou du Maroc, l'arrivée à la frontière, le nombre de voitures, l'informateur consacre des moyens financiers importants. Et ces moyens financiers, souvent, il achète une partie de la quantité, sont saisis par la police au moment où on intervient. Ouais. Et donc, il les perd. Donc, si en plus, vous n'êtes pas en capacité de lui couvrir sa mise de fonds initiale, votre informateur, vous le verrez une seule fois et vous le perdez. Vous le reverrez jamais. Et d'ailleurs, quand vous le revoyez à chaque fois, j'ai cru comprendre, pour éviter de donner une adresse au téléphone, c'est toujours au même endroit. Il y a un premier rendez-vous qui est fixé, après, il n'y a plus besoin de fixer l'endroit parce que ce sera toujours au même endroit que vous le rencontrerez. C'est vrai ? Oui, c'est une règle de protection, oui, c'est sûr. Alors, on apprend des tas de choses comme ça dans ce livre qui sont évidemment étonnantes. Et c'est vrai que les indiques, s'ils balancent aussi, ça, évidemment, je ne l'avais pas imaginé, s'ils balancent, c'est parce que vous dites, ils ont bien compris aussi qu'au fond, il n'y a pas de solidarité entre les voyous et les truands. Hein. Vous dites, Mistigri, c'est le nom d'un des indiques que vous donnez en exemple, Mistigri avait découvert que les salauds restaient des salauds, truands ou pas. Cette solidarité qu'on montre dans les films n'est qu'illusion. Les requins sont prêts à s'entrégorger dès que possible. Le fric, voilà le motif unique. Donc en fait... Mais en tout cas, c'est le constat que moi, j'ai fait tout au long de ma carrière. Ils sont capables de se donner très vite les uns les autres. Et à chaque fois que j'ai recruté un informateur, très souvent, c'est parce qu'il y avait un historique qui me permettait de dire, cet informateur a été grugé ou racketté par ses anciens amis ou par une équipe concurrente. Donc il avait moins de scrupules, je dirais, à partir du moment où il s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas de solidarité dans le milieu qui l'entoure, il avait moins de scrupules à donner des informations. Il y a plus de solidarité chez les flics ? Alors, à l'expérience, oui, peut-être. Mais bon, encore une fois, la solidarité, elle n'est pas universelle chez les flics. Voilà. Même une fois qu'on a été montré du doigt, condamné, foutu en prison, est-ce que vous avez eu des témoignages de sympathie de la part de ceux avec qui vous avez travaillé ? Énormément. En tout cas, de ceux avec qui j'ai travaillé et qui ont travaillé avec moi pendant des dizaines d'années, absolument et de manière totale, sans aucune arrière-pensée. Et parfois même des témoignages de sympathie, des voyous. Pas forcément d'ailleurs au moment de votre arrestation, mais même avant, vous racontez que parfois ça vous arrive de croiser des gens que vous avez foutus en tôle, mais ils ne vous en veulent pas. Absolument. Et c'est toujours ce qui m'a surpris, parce qu'à plusieurs occasions, et j'en cite quelques-unes, j'ai été amené à partager des verres de champagne avec des voyous que j'avais arrêtés, certains à plusieurs reprises, certains pour des condamnations. Vous faites goûter le champagne avant, donc Oui, effectivement. Donc, une fois condamné à 6 ans, à 8 ans, 14 ans de prison, la personne qui fait 14 ans de prison, elle m'invite à boire une coupe de champagne avec ses amis parce qu'il n'y a pas de haine entre le policier et le voyou. Il n'y a pas de haine entre le policier et le voyou. Dès lors qu'on se comporte de manière réglo avec le voyou, il fait son job, moi je fais le mien, si il le fait mal, il va me rencontrer. Il va aller en prison, mais je n'ai jamais eu de haine dans ma relation entre le voyou et moi-même, jamais. Si le voyou fait mal son job, il va en prison, mais si vous, vous faites mal votre job, vous y allez aussi. J'y vais aussi, absolument. Vanessa Burgraff, c'est la morale de... Flic, ça vous a passionné, hein, je crois. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, vous tentez de vous réhabiliter dans ce... Non, c'est pas une tentative. Un peu quand même, hein. Un peu à la c'est fin, bon vous expliquez quand même voilà, que vous avez cédé à l'argent, au voyage, mais que vous n'avez jamais touché d'argent, qu'il n'y a jamais eu d'enrichissement personnel. Vous tentez quand même mais de vous réhabiliter hein, dans ce livre. Oui, mais enfin, quand je dis je n'ai jamais touché d'argent personnel, c'est la vérité et j'en veux une seule fois. Une montre, des voyages au Maroc. Oui, des cadeaux, j'en ai eu. D'ailleurs, elle est pas mal votre montre là. Ouais, c'est une contrefaçon. Ouais, je préfère ma Swatch. Ah, c'est une contrefaçon. Vous pouvez, non, vous pouvez nous les avoir pour combien? Non mais c'est vrai, voyage, montre, on vous a reproché un tour en Ferrari aussi. Oui, effectivement. Sur cet aspect-là, je vous rappelle quand même que j'ai eu 8 mois de prison, j'ai eu une révocation, j'ai eu 5 ans de vie entre parenthèses et j'ai été condamné à 30 mois d'emprisonnement ferme. Donc... effectivement, ces aspects-là sont pris en compte par la justice. Et ça, ça a été payé, on va dire. La justice estime que non, puisque, quoi qu'il en soit, elle a fait appel sur une décision qui me semblait être conforme à ce qu'elle souhaitait.
Donc, je n'ai pas encore payé. Vanessa. Mais comment vous expliquez votre chute? Est-ce que ce n'est pas lié au fait quand vous avez reçu une promo vers la fin de votre carrière, vous vous êtes retrouvé finalement enfermé dans un bureau, coupé du terrain? Est-ce que dans le fond, ce n'est pas le manque de terrain, le manque finalement de contact avec ces voyous finalement? Vous étiez, il vous manquait. Il vous manquait. Et finalement, ils vous ont piégé parce qu'il vous manquait. Mais le terrain me manquait, c'est évident. Oui, mais les voyous aussi, les voyous aussi. Oui, bien sûr, mais vous me dites, vous avez une promotion. Je ne l'ai pas voulu, cette promotion. On m'a imposé. Oui, mais vous avez été malheureux, finalement, de votre promotion, d'une certaine manière. Très malheureux parce qu'il faut expliquer. J'ai changé de culture. Vous étiez commissaire à Lyon. On vous a d'abord envoyé à Nice, c'est bien ça. Quel poste vous avez à Nice? Je suis chef de l'antenne de la police judiciaire de Nice, c'est-à-dire l'unité chargée des affaires de police judiciaire sur les Alpes-Maritimes. Mais là, vous n'êtes plus sur le terrain déjà. Voilà, donc là, je ne suis plus certain, je suis un chef d'antenne. Donc, c'est comme un pompiste qui se retrouve au marketing de chez Total. Quoi. Voilà, je ne fais plus d'opérationnel, opérationnel à mon sens. Quoi. Et vous retournez à Lyon ensuite. C'est-à-dire que les enquêtes, je les vois de l'extérieur, je ne suis plus à l'intérieur de l'enquête et je ne suis plus sur le terrain. Et donc, ensuite, je reviens à Lyon parce que Lyon, c'est la ville où j'ai tout mon vécu, familial, relationnel, professionnel. Et je voulais revenir à Lyon parce que c'est la ville qui me plaisait au niveau de mon job. Donc je reviens directeur adjoint à Lyon, c'est-à-dire je suis coordonnateur opérationnel de toutes les unités qui concourent à la police judiciaire. Et là, la raison, Vanessa, là, ce qui vous manque, au fond, c'est le terrain, les voyous. Mais c'est l'évidence, oui, bien sûr. Et vous expliquez votre chute ainsi ? Par ce manque justement du terrain et finalement, ils vous ont vu. Peut-être qu'eux, ils ont compris ça justement, que l'adrénaline, l'exaltation, ça vous manquait. Non, parce que j'ai voulu reproduire le schéma qui était le mien dans les années 80-90 avec des informateurs dans le milieu du grand banditisme ou du banditisme violent, avec des individus qui étaient plus, eux, axés sur de l'escroquerie internationale. Et c'est peut-être là où j'ai manqué de discernement. Oui, exactement. J'ai manqué de discernement, peut-être. Encore, je ne sais pas. Le problème, c'est que je tiens ces relations de contact en vue d'obtenir des renseignements en mars 2011. Je suis arrêté en septembre 2011, c'est-à-dire 6 mois après ma prise de contact et ma tentative de mettre en place une relation d'informateur à policier. 6 mois, c'est une période qui est manifestement très courte. Mais est-ce que vous leur avez donné des informations à Gilles Bénichou et à toute la clique? Et Stéphane Albrard. Parce que c'est ce qu'on vous reproche finalement. Oui, ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir reçu des cadeaux et d'avoir donné des informations de la police sur leur compte. Oui, bien sûr, j'explique pourquoi. Parce que lorsque j'ai un travail avec un informateur, c'est un investissement pour moi. Et donc, je protège mon investissement. Et c'est-à-dire que je leur demande à ces gens-là de me dire à quelles sont les personnes qui les environnent pour savoir si ces personnes qui les environnent ne sont pas susceptibles de leur amener aussi un service de police d'enquête. Donc, effectivement, je leur ai demandé à chaque fois qu'ils avaient une relation particulière de me communiquer le nom de ces personnes. Et je regardais au fichier si, un, où elles étaient connues, ou deux, si elles faisaient l'objet d'une surveillance. Et effectivement... Dans ma démarche qui a toujours été celle-là, je leur donnais ces informations en disant « écarte-toi de cette personne ». Ou « ne t'écarte pas de cette personne ». Et ça, ce que j'ai fait là, a été interprété par la police, l'inspection générale de la police, le magistrat instructeur, les juges, puisqu'ils m'ont condamné, comme une démarche corruptive, puisque parallèlement... Ils vous régalaient, on va dire. Comme j'avais des relations très amicales avec M. Bénichou, sur le... Gilles, parce que les gens ne croient pas que ce soit Pierre Bénichou, Gilles Bénichou. Gilles Bénichou et Stéphane Azra, qui eux, sont en liberté. Non, c'est en fuite. En fuite. Oui, ils sont libres en fuite. C'est-à-dire que, un jour ou l'autre, je pense qu'ils retrouveront les voies de la police. Gilles Bénichou, lui, a été condamné à 5 ans et 100 000 euros d'amende, mais en son absence. Hein. Oui, bien sûr. Stéphane Azra a été condamné à 2 ans et 250 000 euros d'amende en son absence aussi. Pour tous deux, ces jugements resteront lettres mortes, parce que, dites-vous, ils sont déjà loin. Vous avez pris 30 mois d'emprisonnement, vous avez fait 8 mois, et puis le reste vous a permis de rester en liberté ensuite. Mais vous dites... J'aimerais les avoir en face de moi un jour. Bien sûr. Pour leur dire quoi? Pour savoir si vraiment la relation que j'avais entretenue, un, avec Gilles Bénichou d'une part, et deux, avec Stéphane Alza, était une relation qui était tronquée dans leur esprit ou pas, où elle était vraiment sincère. L'amitié, parce sincère. Parce que vous pensez qu'ils étaient des vrais amis pour vous? Je ne parle pas de Stéphane Alza, je ne l'ai rencontré que pendant 6 mois et de manière assez épisodique. Pour Gilles Bénichou, je le voyais assez régulièrement depuis des années. Donc il s'était établi
comme il s'est établi avec tous les informateurs avec lesquels j'ai traité, des relations personnelles, de confiance, d'amitié. Parce que lorsque vous voyez une personne pendant des semaines, des mois et des années, il se lie autre chose qu'une relation policier-informateur, fatalement. Si cette relation... Sauf si c'est leur génie d'avoir prémédité très longtemps à l'avance. Oui, mais pour... oui, sauf si c'est leur génie. Mais moi, si vous voulez, dans la reconduction des démarches qui étaient les miennes dans ma carrière policière, je n'avais pas ce signal dans ma tête. Non. L'aspect politique. Vous en voulez beaucoup à Claude Guéant, qui est alors ministre de l'Intérieur, au moment de votre arrestation. Pourquoi ? Vous dites que c'est une arrestation qui a été orchestrée. Je vous rappelle que le lendemain ou le surlendemain, dans la presse, sont parus des extraits de procès-verbaux de ma procédure, auxquels mes avocats n'avaient même pas accès, et que les journalistes commentaient de manière précise, parce qu'ils avaient eu entre les mains des procès-verbaux de ma procédure. Comment est-ce que les journalistes ont pu avoir accès à ces procès-verbaux ? Manifestement, c'est une opération, une machination contre vous. Mais c'est orchestré. Manière. Fatalement, c'est orchestré. Lorsque vous voyez, 2 heures après mon arrestation, devant l'hôtel de police de Lyon, toutes les camionnettes de journalistes avec... les paraboles, 2 heures après mon interpellation, si ça, c'est pas une mise en scène... Vous dites surtout qu'il a moins pris que vous, lui, pour ses affaires. Je sais pas, M. Guéant a été condamné, il a fait appel de sa condamnation. Donc, pour l'instant, M. Guéant n'est pas... Bon, finalement, condamné. Vous êtes dans la même situation l'un et l'autre. Un peu. Vous attendez une décision de justice. Yann Moix. Alors, vous dites, la sympathie, c'est l'outil de travail des escrocs. Or, il y a un problème, c'est que moi, je vous trouve très sympathique. Donc, vous pensez escroquer, quoi. Non, mais je m'en fiche, en fait. Parce que vous m'avez conquis, pas convaincu, ça je m'en fiche. Je ne suis pas aguerri aux affaires judiciaires comme peuvent l'être certains journalistes. Et je m'en fiche complètement. C'est votre sympathie. En fait, vous m'avez, d'une certaine manière, conquis dans la manière que vous avez d'être, de suraffiché peut-être une naïveté. Vous êtes un homme du XXe siècle qui s'est fait choper la main dans le sac par le XXIe siècle. L'escroquerie du XXe siècle qui considérait à somnubiler sur des affaires de braquage à l'ancienne, la manière artisanale qu'on a tous vu dans les films, a changé. Aujourd'hui, c'est des escroqueries sur la taxe carbone. C'est plus compliqué, effectivement, de faire une escroquerie à la TVA de manière internationale que d'aller braquer une banque. Et c'est surtout plus lucratif. Et peut-être que vous avez été, c'est pas une insulte, dépassé par le siècle. Vous êtes peut-être un homme du XXe siècle, et là encore, loin de moi, le fait de vous le reprocher, c'est presque plutôt un compliment. Et vous avez quand même une phrase qui m'étonne et qui m'a vraiment intéressé. Vous dites à un moment donné... Je retrouve mes notes, je suis très bordélique, comme vous. Vous dites que, je ne la retrouve pas, mais je m'en souviens, vous dites que vous avez souffert du syndrome de Peter Pan. Et le syndrome de Peter Pan, c'est le fait de ne pas évoluer, de rester à l'état d'enfant et de ne pas devenir un adulte. Et moi, je crois que vous avez souffert d'autre chose qui n'est pas le syndrome de Peter Pan, mais qui est du principe de Peter. Et le principe de Peter, c'est, dans une entreprise, vous arrivez toujours, tôt ou tard, à un poste pour lequel vous n'êtes pas fait, pour lequel vous n'êtes pas suffisamment qualifié. Donc il y a toujours un poste qui vous dépasse quelque part à un moment donné de votre carrière et vous arrivez à votre stade finalement d'incapacité professionnelle ou de... Le plafond de verre. De plafonnement, pas intellectuel, mais peut-être que c'est ça votre problème. Ah, je ne suis pas en accord avec votre analyse, hein, parce que je pense qu'en tant que directeur adjoint de la police judiciaire de Lyon, je faisais mon travail avec un professionnalisme qui a été loué par tout le monde. Là où j'ai péché, c'est dans peut-être la compétence la manipulation. Vous dépassez au bout d'un moment. Oui, mais dans la compétence à manipuler certaines personnes dans un domaine qui était celui dans lequel j'étais pas forcément compétent pour analyser, avoir le discernement nécessaire. Je sais pas. Un truc qui m'a un peu étonné. Alors j'ai vraiment aimé le livre. Ça se lit. Vanessa et moi, on est d'accord sur une chose. C'est ça se lit comme un polar. Il y a des répétitions. C'est un peu redondant, mais on est passionné par tout ce qui vous arrive. Mais vous dites un moment. Savoir que grâce à son action, le criminel va être traduit devant la justice et qu'il est parti... Je ne les brutalise pas, je les ridiculise. Se venge, je gêne un peu en fait. Vous êtes le bras armé du droit, vous n'êtes pas là pour vous venger et pour ridiculiser et pour humilier quiconque. Non, mais on est le bras armé de la société. Oui. Et pour moi, c'est une vengeance personnelle de... De neutraliser des personnes qui, de manière habituelle... Vous voyez, vous mettez déjà de l'affect dans le fait de leur faire du mal, comme vous mettez de l'affect dans le fait que vous voulez de temps en temps aussi leur faire du bien. Tout est affectif. Quand vous les chopez, il y a de la vengeance. Et quand vous prenez des verres avec eux, il y a de l'amitié. Oui. On est dans l'affect. C'est ça qui est troublant chez vous. Paradoxe aussi, vous êtes un grand sentimental. En fait, oui. C'est ce que me dit ma femme. Et alors, une question... Elle ne vous a pas abandonné, votre femme. Hein. Elle a été patiente. Hein. C'est vrai.
Alors que vous, vous êtes sorti un peu, parce que vous n'étiez pas noctambule, mais vous avez eu votre période justement dans les 6 derniers mois un peu plus noctambule. Non. En tout cas avant. Non, à Nice, pas du tout. À Lyon, quand je suis revenu, mon métier était différent. Lorsque j'étais à l'abri d'Antigang, jamais je ne sortais en ville. Lorsque j'étais directeur adjoint, j'avais une fonction de représentation qui m'a fait rencontrer des personnes et fréquenter des endroits. Et puis aussi parce que le film s'est tourné et que... Olivier Marchal vous a un peu entraîné dans ces nuits-là. Il ne m'a pas entraîné dans ces nuits-là, mais si vous voulez, c'était un monde fascinant, le monde du cinéma, que je ne connaissais pas. C'est ce que certains ont voulu prétendre en disant... Il est toujours ami avec vous ou pas ? Bien sûr. Bien sûr, on est... D'ailleurs, vous ressemblez un petit peu. Je trouve qu'il y a une ressemblance physique entre Olivier Marchal et vous. Peut-être de l'ADN de flic. Peut-être que vous deviendrez un réalisateur. Parce que c'est un ex-flic devenu réalisateur. Je ne sens pas des compétences de réalisateur. Je vais poser une question extrêmement simple. Vous dites une opération de résine de cannabis. Sans rire. C'est une... une tonne. Une opération de résine de cannabis, c'est une tonne. Un kilo coûte 2000 euros et l'achat en gros selon la qualité. Une tonne, c'est donc 2 millions d'euros. Des tonnes, et c'est là la question, des tonnes, il en rentre tous les jours. Alors moi, la question toute bête, c'est comment ça se fait ? Où est le vice de forme ? Quel est le problème ? Est-ce qu'on est incapable d'endiguer ça ou est-ce qu'on le sait et qu'on le fait ? Exprès, il y a une passivité, où est le problème ? Non, il n'y a pas une passivité, mais il faut avoir le bon renseignement pour neutraliser les réseaux. Alors notre travail consiste à identifier... Les go-fast aujourd'hui, hein, c'est toujours ça. Consiste à identifier un réseau qui demande énormément de temps d'investigation, de moyens financiers pour neutraliser les réseaux professionnels. Bon, vous arrivez à taper un réseau et je dirais que c'est pour nous vachement, très important parce que ces réseaux-là, dans les banlieues, font du prosélytisme. Lorsque le petit mec de banlieue voit son grand frère rouler en BMW et échapper à toute investigation policière ou à toute sanction pénale, c'est pernicieux. C'était pas de savoir si on allait mettre un terme au trafic de stupéfiants, c'est de manière chronologique. Travailler sur les réseaux qui nous sont dénoncés pour les neutraliser et passer à un autre réseau. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la prétention de mettre un terme au trafic. J'ai une question, là c'est la dernière. Si on punissait extrêmement sévèrement, non plus les dealers, mais uniquement les consommateurs, mais d'une manière extrêmement sévère, est-ce que ça changerait quelque chose ? Mais c'est de la fiction pure. Oui, mais c'est justement une question de fiction. Vous aimez bien ça, de temps en temps, la fiction ? Oui. Certainement que s'il y a une sanction pénale très forte, elle sera dissuasive, certainement. Mais encore une fois, c'est de la fiction pure. Aujourd'hui, une interpellation à quelques kilos de résine de cannabis ne donne plus lieu à une mise en détention depuis très longtemps. C'est peut-être là qu'est le problème. Vanessa Burgraff. Est-ce que vous pourriez jouer votre propre rôle au cinéma ? Parce qu'on vous imagine mal partir pépère à la retraite. Oui, mais... Vous pourriez jouer dans un acteur, rôle de Marc. Acteur, c'est un autre métier. Non, parce que je vous ai vu la poser pour Paris Match, vous avez vu les photos dans Match, on sent déjà la vedette qui monte. Impression... Là, il y a un fil transparent ou ça Non, ça a vraiment été pris. Non. Ça vous plairait pas, parce que vous dites que le monde du cinéma est fascinant. Oui, il est fascinant, mais de là à en faire partie pour jouer mon propre rôle, je ne me sens pas en capacité de le faire. Vanessa. C'est peut-être sur la prison, parce que c'est pas dit, peut-être que vous allez y retourner. Hein. On ne sait pas si le parquet fait appel. C'est sympa comme fille, toi. Vous êtes un has-been, vous allez aller en tôle. C'est pour ça que je prends des risques en publiant ce livre, parce que je peux déplaire à l'institution judiciaire en ayant publié ce livre. Surtout, vous avez passé donc 8 mois à la prison de la santé, hein, et vous racontez, vous étiez d'ailleurs avec Noriega, notamment. Oui, c'était ma première image forte lorsque je suis rentré dans le couloir du quartier particulier qu'on appelle quartier VIP, qui n'a rien de VIP, je vous rassure. Et c'est vrai que ma première vision, ça a été la première cellule, et le nom au-dessus de la première cellule, c'est Noriega. Donc j'ai demandé au gardien, mais c'est vraiment le chef d'État du Panama. Oui, c'est lui. Vous avez croisé Samina Seri aussi, Antoine. Il vous a défendu d'ailleurs. Il vous a défendu avec beaucoup de courage. Absolument. Et en prison, l'anecdote, c'est lorsque vous êtes en prison, vous êtes dans un monde à part. Et lorsque je suis sorti de ma cellule au bout de 3 jours, parce que je ne voulais pas sortir, et je rentre dans la salle de musculation, je tombe sur le président Noriega, 76 ans, la moitié du bras paralysé par un ABC, en train de faire du rameur, et à côté de lui, un vicomte, Amaury d'Harcourt, 84 ans, en train de faire du rameur. Et je me suis dit, ces deux personnes... trouve l'énergie pour faire du rameur. Je ne vais pas me laisser, moi, déprimer alors que je suis loin d'avoir l'orage. Vous voulez dire que la prison conserve ?
Non, mais il faut faire de l'activité pour essayer de se conserver un mental en prison, ça c'est sûr. Ça s'appelle Flic, on a trouvé ça passionnant, c'est signé Michel Néret. Bonne chance pour la suite de vos affaires judiciaires. C'est chez Plon. Merci, monsieur Michel Néret.